Et salut tout le monde, c'est Jacques Benoff, on se retrouve pour une toute nouvelle méthode pour XP en partie personnalisée. Donc pour cela, c'est vraiment très simple, vous devrez faire comme pour la première méthode, vous rendre sur liaison multiconsole, créer partie et Y, et rejoindre votre personne en spammant le bouton A ou en faisant A et B. Donc ça c'est suivant comment vous êtes le plus à l'aise. Une fois cela fait, vous vous appuierez sur B et vous vous rendrez sur le Xbox Live ou le PlayStation Network, donc dans ce menu là. Normalement là, votre ami va devoir vous rejoindre, donc lui il ira en partie personnalisée, connectera une deuxième manette et vous rejoindra à partir de avec la première manette. Donc il appuiera sur Y et vous rejoindra une fois la deuxième manette connectée. Et là normalement lui ça va le faire bugger. Donc lui va se retrouver dans l'accueil et il va pouvoir paramétrer la partie pour XP. Malheureusement vous ne pourrez pas le rejoindre. Bon, c'est le seul inconvénient, donc c'est vraiment ce qui se fait en solo, mais vous ne serez pas embêté par les autres joueurs. Donc comme vous allez voir, là je vais réaliser la manip, donc ce sera moi qui tiendra l'accueil. Donc voilà, donc on voit mon ami Clarence, enfin shooter, me rejoindre. Donc voilà, donc hop, il m'a rejoint, là il va faire la manip, donc il a fait la manip où il mitraille le bouton A, il va dans les anciens menus. Une fois cela fait, moi je vais en partie personnaliser, je vais connecter ma deuxième manette, voilà, donc je connecte ma deuxième manette, et une fois cela fait, je le rejoins avec ma première manette. Donc un tutoriel écrit sera écrit dans la description, au cas où vous n'ayez pas compris. Je vous invite aussi à poser un commentaire poster un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, mais si ça concerne la manipulation, ça ne sert à rien parce que je pourrais pas plus vous aider, c'est vous qui la faites mal. La manipulation marche, plein de gens l'ont fait dans ma liste d'amis et ça ne leur a posé aucun problème. Donc évitez de poser cette question là, je ne pourrais pas plus vous aider. Mais par contre, si vous rencontrez d'autres problèmes ou d'autres difficultés, je pourrais vous aider très bien. Voilà, donc comme vous voyez, je suis level 51 au début de la game, à la fin je vais être level 53. Donc voilà. Aussi, comme d'habitude, on ne pourra pas XP les une balle à mort et les sanguinaires, mais sinon vous pourrez faire entièrement tous vos autres défis. Donc que ce soit les camouflages carreaux sur les mitraillettes, ça vous pourrez très bien les faire. Enfin, non, vu que vous pouvez pas faire les sanguinaires, mais vous pourrez au moins tout débloquer sauf le camouflage crâne sur les armes. Donc c'est déjà quelque chose de très bien. Ensuite, si vous faites trop de kills, votre partie risque de ne pas compter. Donc c'est un problème justement pour réguler l'XP contre les bots. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous arrêter, on va dire, aller à une 80 kills. 80 kills, ouais, moi je m'arrête souvent à 80 kills et ça passe souvent bien. Donc voilà, donc après c'est qu'un conseil. Après vous pouvez tenter d'essayer d'aller le plus haut possible jusqu'à voir où ça va planter, où ça va plus vous sauvegarder vos stats. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je tiens aussi à vous rappeler donc qu'il y aura un tutoriel écrit dans la description. Donc voilà, donc sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, c'était JB9 et sur ce à plus tout le monde.